Bienvenue au cours numéro 15. Fait qu'il nous en reste un après celui de ce soir. On va voir 1 et 1 Pierre, 2 Pierre, les épîtres de Pierre ensemble. Fait qu'on va commencer par un mot de prière. Seigneur Dieu, puisses-tu nous aider à être concentrés par rapport à ta parole ce soir? Pour être dérangé par un million de choses dans notre tête, des pensées qui viennent, qui partent. Mais qu'on puisse vraiment comprendre ce que tu veux nous dire par ton esprit, pour qu'on puisse marcher par l'esprit. Seigneur, tu es fidèle, tu es bon, tu parles à ton peuple et on est vraiment béni en fait d'avoir tous ces moyens-là. En premier, d'avoir accès à ta parole comme ça, mais aussi avoir accès à une église locale, un bâtiment comme ça, des cours, des Internet avec tout ce qu'on peut trouver. Fait que Seigneur, bien, on veut te remercier d'être dans un pays libre, d'étudier ta parole, de proclamer ta parole, et que ça ne nous serve pas à être paresseux, mais plutôt à vouloir avoir le désir de propager ta parole, d'étendre ton royaume au Québec. Amen. OK. Dans l'Évangile de Matthieu, Jésus dit à ses disciples, il dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Et ces paroles-là ont dû avoir un effet peut-être choquant sur la foule, parce qu'à l'époque romaine, la croix de Jésus que Jésus leur demandait de porter n'était pas vraiment le beau symbole comme on voit aujourd'hui avec les petites croix, les petits pendentifs en forme de croix, ou bien même au niveau des tatous. Il y a beaucoup de monde qui se font des tatous de croix. C'est devenu un symbole plus populaire qu'autre chose. Mais à l'époque de Jésus, la croix, c'est un instrument cruel d'exécution par l'État romain, un lieu où les gens souffraient, un lieu où les gens mouraient. Dans ce verset-là, Jésus attire l'attention de ses disciples sur une réalité fondamentale de la vie chrétienne, à savoir que la vie chrétienne va impliquer la souffrance. Et Jésus indique clairement qu'il est en route vers la croix et que si nous voulons être ses disciples, nous devons aussi suivre ce chemin-là de la croix. 2 Timothée 3:12. En effet, tous ceux qui désirent mener une vie pieuse en Jésus-Christ seront persécutés. Donc, pourquoi les chrétiens souffrent-ils et comment doivent-ils réagir au milieu de la souffrance? Plus que tout autre livre du Nouveau Testament, 1 Pierre traite de la souffrance, de sa raison d'être, de son utilité. Ça fait bizarre hein, de dire utilité avec souffrance. L'objectif de 1 et de 2 Pierre, bien, on va commencer par 1 Pierre. Par l'Évangile, réconforter et encourager les croyants qui souffrent pour le Christ. Par l'Évangile, réconforter et encourager les croyants qui souffrent pour le Christ. Réconforter par les vérités de l'Évangile. Donc, on voit en 1 Pierre 1, 3, 6. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Il vous est réservé dans le ciel à vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu au moyen de la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. » C'est ce qui fait votre joie, même si maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes pour un peu de temps attristé par diverses épreuves. Réconforté par les vérités de l'Évangile, en quelques versets, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de stock par rapport à notre espérance. Pierre va commencer par ça. Puis ça ressemble aussi au début de Jacques, même si on est attristé par diverses épreuves. On est appelé à être joyeux quand même. Et un autre aspect, un autre objectif au niveau de Pierre, de 1 Pierre, c'est
encouragé à suivre Jésus. 1 Pierre 2, 23. Lui qui insultait ne rendait pas l'insulte, maltraité ne faisait pas de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Donc, on a un aspect de modèle en Jésus-Christ à suivre dans la persécution et dans l'épreuve. Bref, le premier épître de Pierre nous rappelle qu'on est élu et qu'on est des exilés dans le monde. Il y a ce thème-là qui est fort en Pierre. On est dans le monde, mais comme des voyageurs. Notre maison, c'est le royaume de Dieu. On est appelé à vivre dans le monde, mais comme des citoyens des cieux, pour la gloire de Dieu, pour témoigner au monde et pour encourager nos frères, nos sœurs. Le contexte du livre, de l'Épître, Pierre écrit aux chrétiens de ce qui est aujourd'hui la Turquie moderne, donc un groupe d'églises de l'Asie mineure, au verset 1, « Aux élus exilés de la dispersion, dont le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie. » Et Pierre, lui, va écrire à partir de la ville de Rome. On le sait en lisant le chapitre 5, il écrit depuis Babylone, qui est un symbole de Rome à ce moment de l'histoire au niveau de la capitale de l'Empire romain. La plupart des spécialistes pensent que Pierre a écrit vers l'an 63, donc avant le début de l'intense persécution des chrétiens par l'empereur romain Néron. Donc Néron a régné d'environ 54 à 68, mais en 63, il n'y avait pas encore eu de cette intense persécution-là de la part de l'empereur Néron. On va le voir plus loin. La première lettre n'a donc pas été écrite à l'intention des chrétiens menacés d'emprisonnement ou de mort, quoi qu'il y a déjà eu dans le passé avant cette lettre-là des persécutions. Mais les chrétiens auxquels Pierre écrit sont plutôt confrontés à une violence verbale, psychologique et à un rejet social. Okay? C'est ce type de persécution-là, ce qui est intéressant, toute la Bible est intéressante, mais ce qui est intéressant pour nous, c'est que ça peut ressembler aussi à ce qu'on peut vivre au Québec comme type de persécution parce qu'on a une espérance en Christ, une espèce de rejet social. Un milieu de travail, on est tout seul comme chrétien. Des fois, croire en Dieu, c'est pas pire, mais là, croire en Jésus-Christ mort à la croix ressuscité, ça passe souvent moins bien. Un rejet social, ça peut être du mépris, ça peut être le dernier choisi, le dernier qui va prendre ses vacances, celui qui va être tassé un petit peu, celui qu'on va avoir peur de parler. Ça peut être subtil, mais c'est des sortes de persécutions psychologiques ou sociales. On va à Noël dans nos familles, au jour de l'an, je sais qu'on n'est pas là. Saint-Jean-Baptiste s'en vient. Mais, on peut des fois être rejeté par notre propre famille de sang parce qu'eux ne sont pas croyants, puis nous, on l'est, puis ils nous trouvent bizarres. C'est une forme de persécution. Donc, stigmatisé par notre propre famille. Et donc, c'est dans ce type de persécution-là que Pierre s'adresse à ce genre de chrétien-là, finalement. Donc, structure et thème de la première lettre de Pierre. On se souvient des lettres de Paul, où ce que souvent c'est divisé en deux. On a une bonne partie théologique, structure argumentée de manière théologique, un autre aspect appliqué, pastoral, applicatif. Ça, c'est les épîtres de Paul. Mais Pierre, lui, il fait plutôt une fusion, en fait. Il fait une fusion entre ces deux choses-là. Il met ensemble des impératifs et l'aspect plus théologique dans un seul verset. On va voir des thèmes qui vont se répéter, on va voir des impératifs qui sont mélangés à la théologie dans des mêmes versets, un rapprochement. Fait qu'il y a une fusion ou une manière d'écrire qui est différente de celle de Paul, mais qui est tout aussi édifiante. Et donc, ce n'est pas étonnant qu'il y a des aspects répétitifs dans les lettres de Pierre. D'ailleurs, Jean faisait le même type de choses.
Pierre reprend des thèmes donc similaires à plusieurs reprises, puis il ajoute des couches, puis il ajoute des nuances au fur et à mesure qu'il va avancer. On va voir aussi avec Jean dans l'Apocalypse qui fait ce genre de choses-là. Il va reprendre l'Apocalypse, le temps de la fin, à plusieurs reprises dans le même livre, en apportant une nuance ou une lunette différente à chaque fois. Aussi, tout au long du texte, Jésus est présenté comme le Sauveur unique et irréprochable qui sauve son peuple de la souffrance éternelle qu'ils auraient mérité. Il est aussi présenté comme un exemple de la manière dont le peuple de Dieu doit faire face à la souffrance. On voit les thèmes, c'est la relation entre la sainteté et la souffrance, la relation entre la souffrance du Christ et les nôtres. On voit le thème de la fin de la souffrance. Et la juste réponse à la souffrance. Donc, la relation sainteté et souffrance, la relation entre souffrance du Christ et la nôtre, la fin de la souffrance et notre réponse à la souffrance. Chapitre 1, versets 1 et 2, bien, Pierre commence la lettre en décrivant les chrétiens de deux manières. Il va les appeler les élus de Dieu, le peuple choisi par Dieu, ses représentants dans le monde. Et il va les qualifier d'exilés de la dispersion. Fait que Pierre indique par son introduction deux questions qu'il voudra répondre. Qu'est-ce que ça signifie être un élu? Qu'est-ce que signifie être un étranger dans le monde? On est élu, on est encore dans le monde, mais étranger dans le monde, les voyageurs. Donc au chapitre 1, le verset 3, jusqu'au chapitre 2, au verset 10, les avantages et les exigences liées au fait d'être élu de Dieu sont au centre de cette section-là. Donc, il y a des avantages à être élu de Dieu. On a juste à lire Éphésiens au chapitre 1 pour voir toutes les bénédictions de Dieu. On a juste à lire l'introduction que j'ai lue tantôt pour voir à quel point qu'on est gracié par Dieu. Il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection, une espérance vivante, un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Okay? Réservé dans le ciel à vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu au moyen de la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est vraiment riche, riche, riche. Puis c'est les avantages ou les cadeaux, la grâce de Dieu qui surabonde sur les élus. Donc, les avantages et les exigences liées au fait d'être élu. Donc, Pierre nous rappelle l'espérance vivante et l'héritage que nous avons en Christ. Notre salut est d'autant plus glorieux qu'il a été prophétisé dans l'Ancien Testament. Notre salut est si glorieux qu'il s'agit de choses que les anges désirent ardemment contempler. On voit ça au verset 12. Il s'agit de choses que les anges désirent ardemment contempler. Ils portent leur regard sur le fait qu'on est élu, sur notre héritage. Pierre parle aussi des responsabilités. Fait que quand je parlais d'exigence, je parle de responsabilité, qui accompagne le fait d'être identifié comme le peuple de Dieu. On voit au verset 15 et au verset 16, toujours au chapitre 1, « Mais comme celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, puisqu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. » Donc, c'est dans l'Ancien Testament. Mais Dieu exige dans le Nouveau Testament la même chose que son peuple de l'Ancien Testament, c'est-à-dire, vous serez saints car je suis saint. Mais il y a une différence majeure. L'Esprit de Dieu est en nous. L'Esprit de Dieu est en nous. Pasteur Denis m'a fait remarquer tantôt que l'Esprit qu'on a reçu, l'Esprit de Christ, c'est l'Esprit glorifié qu'on a
en nous. Et non seulement, on reçoit l'Esprit, puis on fait ce qu'on peut. T'sais. Non, non, non. C'est comme s'il y avait un morceau du ciel qui était à l'intérieur de nous. On est connecté au royaume éternel, même si on est encore sur terre, par l'Esprit glorifié qu'on a reçu. Et donc, vous serez saints, car je suis saint. Bien, on peut maintenant le dire que le voile est déchiré. On a accès à Dieu par le sang de Christ. Et donc, on est capable, à cause de Christ, on est reconnu comme saint finalement. La nouvelle alliance est une alliance plus excellente, comme le dirait Pascal Deneau. On est béni de vivre sous cette période de grâce spéciale de Dieu qui a révélé son Fils et qui nous donne son Esprit comme consolateur avant son retour, et non seulement comme consolateur, mais comme ce qui va nous attirer de plus en plus vers Christ à chaque jour de nos vies, des nouveaux désirs, nouvelles créatures. Donc, c'était les avantages et les responsabilités. On va voir aussi que Pierre va continuer à parler de nos responsabilités. Je vais en parler plus loin. Chapitre 2, verset 11, jusqu'au chapitre 4, verset 11. Dans la section 2 à 11 jusqu'à 4, 11, bien, Pierre développe le fait que les membres du peuple saint de Dieu sont aussi des étrangers, sont aussi des exilés. Il va les implorer d'adopter un style de vie différent, mais attrayant pour le monde hostile dans lequel ils vivent. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on est appelé à être des gens, des gens ordinaires qui font partie du monde, mais ce qu'on a à offrir est supposé d'être bon, parce qu'on a connu que Dieu est bon. Ça ne veut pas dire que la réponse qu'on va toujours avoir, c'est « Ah, ben oui, c'est vrai, c'est excellent. » Mais au moins, si nous, on témoigne de la bonté de Dieu qu'il y a eu à notre égard, ça va être toujours plus attirant que « Ouf, c'était pas si bon que ça, mais je te l'offre pareil. » Donc, il les implore d'adopter un style de vie différent, mais attrayant pour le monde hostile dans lequel ils vivent. Parce qu'être sauvé ne nous enlève pas du monde, comme je l'ai dit, et de nos responsabilités. On est des travailleurs, on est des citoyens, on est des époux, des épouses, on est des parents, on est des bons voisins, etc. Mais notre salut nous libère pour qu'on soit fidèles dans tous nos rôles sociaux. OK? C'est spécial parce que la liberté chrétienne, ça ne veut pas dire qu'on doit faire ce qu'on veut parce qu'on est libéré de l'esclavage du péché. On est libéré pour accomplir fidèlement ce à quoi on a été créé, à être un bon père, une bonne mère de famille, à être un bon époux, une bonne épouse. C'est pour ça qu'il y a des impératifs par après. On est libéré de l'emprisonnement du péché qui fait qu'on a un regard tout le temps tourné vers nous puis qu'on veut toujours attirer vers nos désirs charnels pour pouvoir faire les œuvres bonnes dans lesquelles Dieu nous a appelés, puis être fidèle. Dans ce cas-ci, mon exemple, c'est les rôles sociaux. Galates 5:13 va dire « Frères et sœurs, c'est à la liberté que vous avez été appelés. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de votre nature propre. Au contraire, soyez par amour serviteurs les uns des autres. En effet, toute la loi est accomplie dans cette seule parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Donc, le style de vie que Pierre a à l'esprit est caractérisé par la soumission à la manière du Christ et par des relations bonnes, pacifiques, avec les autres croyants et, dans la mesure du possible, avec les non-croyants aussi. On va voir des exemples concrets tantôt, parce que Pierre va finir sa lettre au chapitre 5 avec des exemples de relations et de rôles sociaux, comment on les applique à la manière de Christ. Au chapitre 4, verset 12, jusqu'au chapitre 5, verset 14. Donc, Pierre se lance dans les réponses appropriées à la souffrance. Donc, réponses appropriées à la souffrance. Il insiste sur le fait que les chrétiens endurent la souffrance selon la volonté de Dieu,
Les chrétiens demeurent dans cette volonté en confiant leur vie et les circonstances de leur vie à Dieu, en continuant à vivre dans la justice. 4:12 va dire, « Bien-aimés, ne vous étonnez pas de l'épreuve du feu qui viendra sur vous pour vous éprouver. » Pierre les prépare déjà à une plus grande persécution. « Mais réjouissez-vous dans la mesure où vous partagez les souffrances du Christ. » Le sujet, c'est la persécution. Notre confiance dans la souffrance se trouve dans l'espoir vivant et l'héritage qu'on a en Christ. Je répète, c'est important, notre confiance dans la souffrance, ça ne se trouve pas à l'intérieur de nous-mêmes, OK? La confiance, de toute façon, dans la vie en général, ça ne se trouve pas à l'intérieur de nous-mêmes. Si c'est le cas, comme j'ai dit la semaine passée, bien, il y a un matin que tu vas te réveiller, tu vas avoir bien d'assurance parce que tu as fait une belle nuit de sommeil, puis ça va bien, puis tu t'es entraîné, puis tout va bien. Mais peut-être que tous les autres jours de la semaine, tu vas avoir mal dormi, tu vas être chicané avec peu importe qui, tu vas avoir bien d'autres circonstances, puis tu vas vraiment avoir une mauvaise confiance. Ça va pas. Fait que si ça dépend de toi, puis des circonstances qui t'entourent, bien, ça vaut rien. Ça vaut de la chenoute. Ça n'a aucune valeur. Ça dépend. C'est variable, au fond. Tant mieux pour toi si une année ça va bien, si une période ça va bien, mais ça ne dure pas dans le temps. Tandis qu'ici est écrit, la confiance dans la souffrance se trouve dans quoi? Dans l'espoir vivant et l'héritage qu'on a en Christ. Le monde va passer. Qu'est-ce qui va rester? La parole, notre espérance, notre foi, le royaume. Mais il ne s'agit pas seulement de survivre à la persécution en attendant que ça passe. Fait que c'est pas juste le fait de survivre, quoique ça en est une vertu, la persévérance dans la souffrance. Mais c'est pas seulement le fait de survivre à la persécution en attendant que ça passe. Pierre prend la peine de parler de la transformation que produit notre réponse à la persécution et du témoignage que ça produit. Donc, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose dans la souffrance et dans le fait qu'on souffre justement pour Christ. Chapitre 2, verset 12. « Ayez une conduite honorable parmi les païens, afin que lorsqu'ils parleront de vous comme des malfaiteurs, ils voient vos bonnes actions et glorifient Dieu au jour de la visite. » Il se passe réellement quelque chose quand on attend avec l'espérance de Christ au milieu de la persécution. Il voit vos bonnes actions et glorifie Dieu au jour de la visite. Donc, plus en profondeur, on va regarder ensemble les réponses, on va dire, adéquates que Pierre va développer tout au long de sa lettre face à la persécution, face à la souffrance. Pierre va donner, puis il y en a peut-être d'autres, là, mais je les ai mis en quatre catégories finalement, quatre réponses du chrétien face à la persécution qui sont aussi applicables face à la souffrance. C'est bon? Le premier, être des témoins vivants. Pierre nous appelle au milieu de la souffrance à être des témoins auprès des non-chrétiens. Donc, témoins vivants, c'est pour surtout les non-chrétiens. Il parle même qu'il est bon de désirer le bien de ceux qui nous persécutent. Puis Pierre, on se rappelle que c'est le disciple qui a renié trois fois Jésus-Christ et qui a ensuite vu Jésus souffrir, entre autres, pour lui. Fait que Pierre, là, il a appris directement de Jésus. C'est quoi ça veut dire souffrir injustement? Puis il a appris ce que ça veut dire devenir un témoin vivant pour les autres alentour de lui, parce qu'il l'a vécu lui-même, il l'a renié trois fois, son Seigneur puis son Sauveur. On lit justement de chapitre 2, versets 23-24, je l'ai lu un petit peu tantôt, « Lui qui insulté ne rendait pas l'insulte, maltraité ne faisait pas de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. » Lui qui a lui-même porté nos péchés dans son corps à la croix, afin que, libérés du péché, nous vivions pour la justice.
C'est par ses blessures que vous avez été guéris. Vous étiez en effet comme des brebis égarées, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le protecteur de vos âmes. Amen. Fait que Pierre a connu et a vécu personnellement le pardon de Christ. Et Pierre a été témoin de l'amour de Christ pour ses ennemis et les gens qu'il rejette. Et il est devenu lui-même un témoin vivant auprès des non-chrétiens. Puis Pierre a été reconnu aussi pour être plus spécifiquement témoin auprès des Juifs dans les synagogues qu'il parcourait. Il est mort d'ailleurs, Pierre, comme martyr, selon la tradition, crucifié à l'envers, parce qu'il ne se serait pas senti digne de mourir comme son sauveur, comme son Seigneur. Il aurait donc mort comme martyr. Il a été un témoin vivant jusqu'à la fin de sa vie. La deuxième catégorie, on va dire, de réponse adéquate à la persécution et à la souffrance, c'est être des pierres vivantes. Donc, le premier, c'est être des témoins vivants pour les non-croyants. Le deuxième, c'est être des pierres vivantes. Donc, Pierre, il sait combien le Christ est bon. Il a connu la bonté, il a connu la miséricorde de Jésus-Christ à son endroit, comme je l'ai dit. Et rappelons-nous aussi à quel point Dieu a été miséricordieux envers nous de nous avoir transformés quand on le rejetait puis quand on le reniait. Et rappelons-nous qu'il est encore bon envers nous présentement. Parce que vivre de cette miséricorde-là produit le don de la grâce pour les autres. Le fait de se rappeler de la bonté de Dieu produit la miséricorde, le don de la grâce pour les autres. Parce que c'est un don, une grâce. C'est un pléonasme. La grâce, c'est un don immérité. Donc, être des pierres vivantes, qu'est-ce que je veux dire? Bien, qu'est-ce que Pierre est en train de dire? C'est être des croyants qui édifient les autres croyants par l'amour de Christ, sachant qu'il est, Christ, la pierre vivante sur laquelle l'Église repose. Fait que je répète, être des pierres vivantes, qu'est-ce que ça veut dire? C'est être des croyants qui édifient les autres croyants, pas de n'importe quelle manière, par l'amour de Christ, sachant qu'il est, Christ, la pierre vivante sur laquelle l'Église repose. Et on voit concrètement ce que Pierre veut dire en 1 Pierre 2, le verset 1. Il va dire, « Débarrassez-vous donc de toute méchanceté, de toute ruse, de l'hypocrisie, l'envie et toute médisance. Et comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait pur de la parole. Ainsi, grâce à lui, vous grandirez pour le salut. Si du moins, vous avez goûté que le Seigneur est bon. » Approchez-vous de Christ, la pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle, un groupe de prêtres saints, afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. Être des bons représentants de Dieu pour que ça édifie la maison spirituelle, les frères et sœurs. Être des prêtres saints, des gens qui sont dans la présence de Dieu en tout temps grâce au sang de Christ. À la mort de Christ, le voile s'est déchiré de haut en bas et on est en présence du Dieu trois fois saint à cause du sacrifice de Christ. Et nous, comme croyants, on offre des sacrifices spirituels. Qu'est-ce que c'est? Bien, c'est le don de sa propre vie, une consécration à Dieu. On le voit dans Romains 12, par exemple. Romains 12 va dire, « Je vous exhorte donc, frères et sœurs, au nom de la miséricorde de Dieu, à vous offrir vous-même en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera là votre culte spirituel. »
Fait qu'on, c'est un modèle, on suit notre grand frère, on suit notre grand frère Jésus-Christ, qui s'est sacrifié pour nous et qui a été un exemple de piété, de dépendance à Dieu le Père. Même chose pour nous, notre sacrifice spirituel, c'est de se rendre, de se consacrer à Dieu. Puis ça prend différentes formes. Être consacré à Dieu, chacun on a des appels différents, mais notre attitude, et on est appelé dans la même sorte d'attitude, avec la même sorte d'esprit. C'est pour ça qu'il y a des exemples concrets, ça s'adresse à tout le monde. Débarrassez-vous de toute méchanceté, toute ruse, hypocrisie, envie, toute médisance. Ça parle à tous les chrétiens. Donc, première réponse à la persécution, et j'inclus aussi les souffrances, être des témoins vivants pour le monde qui nous entoure. Deuxième réponse, être des pierres vivantes qui édifient l'Église. Troisième réponse, faire preuve d'amour. Pierre nous appelle également à faire preuve d'amour les uns envers les autres. Et c'est particulièrement difficile et important quand l'Église souffre de conflits et quand l'Église souffre de persécutions. Fait qu'on n'est pas, Pierre n'est pas en train de dire, ben non, mais c'est facile, là, vous avez juste à vous aimer. Non, non, c'est clairement pas facile, mais encore moins facile quand on est au milieu de la persécution puis des souffrances, parce que nos réflexes de la chair sortent plus facilement. On a tendance à vouloir trouver des solutions en nous-mêmes bien plus facilement quand ça ne va pas bien. Et le chapitre 4, versets 7 à 10, va dire, « La fin de toute chose est proche. » La fin de toute chose est proche. « Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres un ardent amour, car l'amour couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. » Comme j'ai dit, on a différents dons, différents appels, mais que chacun de vous mette au service des autres. Donc l'attitude est la même, c'est le même appel d'attitude de service pour tout le monde. Il dit « La fin de toute chose est proche. » Donc, il y a deux choses là-dedans. Quand on voit le fil d'arrivée, quand ça fait 40 km qu'on court puis il nous reste 1 km pour faire notre marathon, on voit le fil d'arrivée, notre corps, il souffre abondamment d'avoir couru 40 km. Puis c'est souvent dans ces derniers kilomètres-là qu'on est comme plus capable. On va lâcher. On va lâcher, on n'est plus capable. Ça prend de la persévérance. Même si tu vois le fil d'arrivée, c'est à la fin de la course. La fin de toute chose est proche, ça veut premièrement dire, ça peut être plus, comme j'ai dit tantôt, plus difficile quand tu es dans l'épreuve, puis quand la fin approche, tu vois la fin s'en venir. Mais en même temps, la fin de toute chose est proche, ça veut dire que quand tu passes le fil d'arrivée, puis que le ruban se déchire, bien, c'est la joie, la réjouissance, c'est l'hydratation, c'est les amis, c'est les médailles, c'est les récompenses, et ainsi de suite. C'est un relâchement, c'est que du plaisir. Bien, la fin de toute chose est proche, ça veut aussi dire que, pardon, la victoire, ça veut aussi dire la victoire qu'on va goûter en Jésus-Christ dans son royaume, on va être avec lui. La fin de toute chose est proche, c'est notre espérance, finalement. C'est notre espérance de vivre de la victoire de Christ enfin. À cause de ça, parce qu'il y a un mélange de ces toughs, puis là, ils sont au milieu des persécutions, mais en plus, Pierre les prépare à une persécution encore plus grande à venir, qui est très, très proche. Mais plus loin que ça encore, c'est la mort. Plus loin que ça encore, c'est tu vas mourir. Mais même s'il y a ça, il y a aussi la fin de toute chose est proche, de manière à voulant dire Jésus va arriver. Soyez donc sobres, sages et sobres, pour vaquer à la prière, avec un ardent amour. L'amour va couvrir une multitude de péchés. Peut-être que dans ton entourage, il y en a qui deal moins bien avec la souffrance, qui deal moins bien avec la persécution, que c'est plus difficile.
Mais l'amour va couvrir une multitude de péchés. Tu vas être plus patient, plus persévérant. Tu vas peut-être te soumettre davantage à des choses que au début, peut-être tu aurais dit, non, non, moi je ne me laisserai pas plier ses pieds. Mais l'amour couvre une multitude de péchés. En temps de conflit, en temps d'attaque spirituelle, Pierre demande qu'on se serre les coudes, qu'on se soutienne mutuellement. Moi, j'aime pas voyager en auto, j'aime pas faire beaucoup d'heures en auto, mais j'ai appris que j'aimais pas faire beaucoup d'heures en auto depuis que j'ai des jeunes enfants. Il me semble qu'avant, j'y pensais moins. Mais là, depuis que j'ai des jeunes enfants, faire des longs voyages en auto avec eux, je suis moins endurant, on va dire ça comme ça. Je suis moins endurant. Il y a plusieurs réactions possibles. Moi, j'en ai deux là-dedans. Soit que je suis dans la fuite ou dans la distance, OK? Ça, c'est je conduis, puis j'ai un regard vide. je regarde au loin, puis j'attends que ça passe. Mais là, l'affaire là-dedans, c'est que j'encourage personne, OK? Je suis pas impliqué. Je suis comme plus, je suis dans la fuite. Je suis sûr que vous savez ce que je veux dire. La deuxième réaction de ça, ce serait la colère, l'irritabilité excessive. Je dis excessive parce qu'il y a des moments dans la vie qu'on peut être en colère, puis c'est normal devant une injustice, par exemple. Mais si on se laisse aller dans nos émotions, si on se croit vraiment dans notre émotion et notre sentiment d'injustice, c'est là qu'on va consommer le péché, comme va dire Jacques, et qu'on va consommer l'irritabilité. Ça va devenir excessif, ça va devenir malsain, puis l'atmosphère, ça sera plus bonne. Fait que ça, on peut aussi avoir cette réaction-là d'irritabilité excessive. Dans ce cas-là, moi, c'est une sorte de souffrance. Okay, je ne veux pas dire que je souffre, là, mais c'est une sorte de souffrance par rapport à ça. À l'opposé, il y aurait aussi l'option de la douceur, de la patience, parce que je sais qu'il y a une fin, c'est un voyage. Fait qu'il y a une fin, il y a une arrivée, il y a quelque chose qui finit, une manière, il y a une espérance finale. Fait que je pourrais aussi me dire, mais j'arrive dans X nombre de temps, fait que j'ai X nombre de temps pour être un témoignage vivant pour mes enfants, pour être une pierre vivante pour ma femme, pour faire preuve d'amour pour les gens qui m'entourent, en étant plus patient, plus doux. Donc, chemin faisant, ce que je t'arrête de dire, c'est qu'on est béni d'être transformé progressivement par l'Évangile, oui, et à travers nos souffrances ou nos persécutions. Là, mon exemple, c'était plus au niveau d'une sorte de souffrance, mais on est béni à travers ce genre de situation-là, parce qu'on est transformé par l'Évangile. Soyons, en fait, réceptifs à ce que Dieu veut nous dire par rapport à ça. Et donc, en temps d'attaque spirituelle, c'est encore plus important de se soutenir mutuellement dans l'amour de Christ, par la grâce de Dieu, qui, elle, nous soutient. Fait qu'on ne fait pas ça tout seul. La dernière réponse à la persécution et à la souffrance, Pierre va parler de se soumettre. Fait que c'est peut-être surprenant que dans un livre consacré à la souffrance et à la persécution, Pierre va parler que les chrétiens doivent se soumettre à l'autorité. Chapitre 2, verset 13. « Soyez soumis à cause du Seigneur, à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain. » Il ordonne aussi aux serviteurs de se soumettre et de respecter leur maître, aux femmes d'être soumises à leur mari, à l'Église de se soumettre et de se servir mutuellement. Fait qu'il y a une importance à la soumission aux autorités. Pourquoi Pierre accorde une importance à la soumission dans un contexte de persécution et de souffrance? C'est parce que la soumission aux autorités, aux maris, aux maîtres, aux anciens, les uns les autres, manifeste notre espoir et notre confiance en l'autorité supérieure qui est Dieu et qui, lui, est le maître de l'univers. Notre soumission dans nos rôles sociaux va manifester
notre espoir et notre confiance dans l'autorité suprême qui est Dieu. Et aussi parce que cette attitude-là va renforcer notre témoignage sur Dieu. Paul, dans Romains 13, va dire que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Donc, les chrétiens sont appelés à respecter l'autorité parce qu'elle vient de Dieu. On pourrait dire, je comprends, j'accepte l'enseignement de Paul, de Pierre, et ainsi de suite. Mais qu'est-ce qui arrive quand cette autorité-là est mal utilisée? Qu'est-ce qui arrive quand l'autorité au-dessus de moi me méprise, même si je fais le bien, par exemple? Est-ce que je dois quand même respecter, obéir à l'autorité? Deux points de réponse ici. Si on mettait ça sur une échelle, on pourrait penser qu'il y aurait deux extrêmes, mais ils sont complémentaires. Numéro un, la Bible est claire sur le fait qu'on ne doit jamais se soumettre à l'autorité au point de désobéir à Dieu, qui est l'autorité supérieure. Deuxième point, c'est le modèle normal et que le chrétien se soumette à l'autorité dans les bons comme dans les mauvais moments. Vous voyez, on a quelque chose de clair. On ne doit pas se soumettre à l'autorité au point de désobéir à Dieu, qui lui est l'autorité supérieure. On voit ça. Je vais en parler plus loin. Mais d'un autre côté, Pierre vient de dire, ben normalement, là, tu dois te soumettre à ton autorité dans les bons puis dans les mauvais moments. Est-ce que c'est contradictoire? Est-ce que la Bible se contredit sur ce point-là? Qu'est-ce que vous en pensez? Non? La réponse se trouve dans la sagesse que nous présentent ces deux points-là. C'est-à-dire que je dois avoir en tout temps un esprit de soumission. Ça, c'est important ce que je dis là. En tout temps, on doit avoir un esprit de soumission et être conscient que ma propre rébellion face à l'autorité, ben, je peux en avoir aussi moi-même. Donc, dans Daniel, les trois amis de Daniel, il y a une statue du roi qui est érigée. Ils doivent se soumettre, en fait, se prosterner, merci, devant cette statue-là. C'est des croyants, ils croient au Dieu vivant d'Israël. Ils croient à Dieu. Si on tasse la statue, est-ce que les trois amis de Daniel, c'est des gens qui sont soumis à l'autorité, quand on lit le livre? Oui. Ils font ce qu'ils ont à faire, c'est des bons employés, ils sont doux, ils sont respectueux, ils sont reconnus par l'autorité suprême tellement qu'ils ont une bonne attitude. Donc, ça va bien. C'est vraiment des bonnes personnes dans la bonne définition de se soumettre aux autorités. Et là, ils font face à un règlement que tu dois te prosterner devant cette statue-là du roi Nebuchadnezzar. Qu'est-ce qu'ils décident de faire? Ben non. Ce règlement-là, on ne peut pas lui obéir parce que nous, on est en relation d'abord avec une autorité qui est plus grande que le roi Nebuchadnezzar, qui est le roi d'Israël, en fait Dieu. Ça fait que, qu'est-ce qu'il décide de faire? Il décide de ne pas obéir à la règle et de se soumettre à la conséquence. Comprenez-vous? Quand je parlais de la soumission, c'est d'abord une question d'attitude. Donc, en tout temps, avoir un esprit de soumission, c'est que face à cette situation-là, ils ne vont pas obéir à l'homme, ils vont choisir d'obéir à Dieu qui est leur maître suprême, et chemin faisant, ils vont se soumettre à la conséquence qui était d'aller dans la fournaise ardente brûlée, puis ils ont été sauvés finalement.
Donc, il y a une, vous voyez, il y a une sagesse là. Il y a une sagesse dans chaque situation. Si ces trois amis-là avaient eu un esprit de rébellion par rapport à la nourriture ou par rapport à des choses spécifiques que je n'ai pas en tête présentement, là, mais tu ne peux pas prier entre telle heure puis telle heure. Bon, OK, je vais me soumettre à ça. Je prierai une autre fois ou un autre moment. C'est correct. C'est comme ça qu'il... En tout cas, si vous avez d'autres exemples, vous le direz tantôt, là. Mais ça pour dire que ça dépend de ton attitude, d'abord, puis ça dépend de chaque situation. Est-ce que je vais obéir ou est-ce que je ne vais pas obéir, mais toujours dans la soumission. Mais je dois... OK. Au chapitre 2, verset 18-19. « Serviteurs, soyez soumis à vos maîtres en tout respect, non seulement au bon et au doux, mais aussi à l'injuste. Car c'est une chose gracieuse qu'en soucieux de Dieu, on supporte des peines en souffrant injustement. » Fait que là, on va plus loin encore dans la soumission. On a un serviteur ici qui est un esclave, en fait, chrétien, qui a un maître qui est non chrétien, qui peut être bon et doux, mais qui peut être aussi injuste et méchant. Mais le texte dit qu'en tant que chrétien, même si on est persécuté pour notre foi, ou même si on souffre d'un maître injuste, on sait que Christ, l'autorité ultime, est ressuscité des morts et il est maintenant assis à la droite de Dieu. C'est lui, Christ, qui a le dernier mot. C'est lui, Christ, qui est notre espérance. Et donc, plus que ça, Pierre dit de supporter des peines en souffrant injustement. Il va carrément dire ça, supporter des peines en souffrant injustement. Injustement. Demeurer soumis dans des situations inconfortables est une manière de témoigner de l'œuvre de Christ qui lui aussi a souffert injustement. Fait que l'enseignement des apôtres, c'est ça. En général, on va souffrir injustement en demeurant soumis des fois à un maître qui peut être méchant, par exemple. Par contre, prenons le même exemple et allons plus loin pour faire une nuance puis continuer la réflexion. Dans les familles romaines, la famille comprend les esclaves, les serviteurs, et tous les membres de la famille devaient suivre, donc il y avait l'épouse, les enfants, les serviteurs, devaient suivre le patriarche, le père de la maison. Devait suivre sa manière de vivre, ses croyances, ainsi de suite. Donc, ça se peut que dans la maison, il y a une statue d'un dieu grec. Même situation qu'avec Nebuchadnezzar. Il y a une statue d'un dieu grec dans la maison. Le chrétien ne peut pas obéir au fait de se prosterner. Sais-tu quoi? Je pensais même plus. Pas drôle, hein? C'est l'âge. Il ne peut pas se prosterner devant le dieu grec. Mais il va demeurer dans l'attitude respectueuse, dans l'attitude douce. Ils ne vont pas commencer à manifester par rapport à ça. L'esclave chrétien se soumettra aux conséquences de ne pas avoir obéi au maître. On a un autre cas avec Pierre et Jean devant les membres du Sanhédrin, acte 4. Pierre et Jean sont interdits par le Sanhédrin, de parler de Jésus, de parler de l'Évangile de Christ. La réponse des apôtres, il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Donc, qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? C'est mieux de faire le choix. En fait, le choix, ce n'est pas de désobéir aux hommes, mais c'est d'obéir à Dieu parce que Dieu, c'est mon maître suprême. C'est lui, mon première priorité. Fait que si jamais je suis emprisonné, comme Pierre, comme Paul ont vécu à cause de l'Évangile, est-ce que je vais vouloir tout briser? Non, je vais me soumettre à la conséquence que j'ai obéi à Dieu, puis je vais même chanter des cantiques de ma prison, parce que j'ai souffert au nom de Christ. Ça va me bénir d'être participant aux souffrances de Christ. Fait que j'ai présenté certains cas pour vous montrer à quel point que ça prend de la sagesse, mais qu'il y a des choses qui demeurent vraies, c'est-à-dire l'attitude de soumission. Et il y a des fois où est-ce qu'on va obéir à Dieu
plutôt qu'obéir au commandement humain. Mais la plupart des fois, on va obéir au commandement humain, parce que c'est bien rare, surtout au Québec en tout cas, que les exemples ici présents se prêtent à nous. Puis qu'on va, ou on est appelé même à être heureux, à vivre certaines persécutions à travers notre soumission. Ça va? C'était le quatrième point que j'ai pris plus de temps parce qu'il est plus complexe au niveau de la réponse que Pierre donne à la persécution et aux souffrances. Pierre, au chapitre 3, va dire aussi aux femmes de se soumettre. Même chose, je ne le lirai pas parce que, rendu, puis de toute façon, vous comprenez le principe. Mais l'exemple, c'était par rapport à femmes soumises, mais jusqu'où va l'obéissance par rapport à ça, c'est les mêmes principes. Donc, je vous rappelle que celui qui recommande la soumission, c'est Pierre, qui est mort, possiblement crucifié à l'envers, comme je l'ai dit tantôt, comme martyr, parce qu'il vivait pour Christ, fait qu'il comprend qu'est-ce qu'il veut dire, il comprend ce qu'il enseigne, finalement. Il aurait lui-même volontiers lavé les pieds de ses maîtres non-croyants s'il avait eu l'occasion, ou même de chanter des louanges avec Paul en prison. Il l'aurait fait, c'est sûr. Mais il a aussi décidé, dans d'autres occasions, d'obéir à Dieu plutôt qu'à l'homme, comme je l'ai dit dans Acte 4 tantôt. Donc, la dernière réponse à la persécution, c'est la soumission, qui démontre que notre attachement à Christ est plus important que nos souffrances injustes. Conclusion, 1 Pierre, c'est Dieu qui nous rappelle l'espérance chrétienne dans des temps de souffrance et de persécution. On doit s'attendre inévitablement à subir de l'hostilité parce qu'on choisit de suivre un autre roi que celui du monde. Même chose pour nous en 2023, on est souvent à contre-courant des pensées du monde. J'ai un exemple qui vient de m'arriver, une collègue de travail où est-ce que sa fille, dans le fond, elle commence l'âge adulte et elle commence des relations intimes avec un garçon. J'ai dit des, mais avec un garçon. Première expérience de relation intime, relationnelle, OK? En voulant dire chum blonde. Puis, dans cet univers-là où on est présentement, en 2023, il existe le concept de t'es exclusif ou t'es inclusif. En voulant dire, une des premières questions supposément qui se demande dans les nouvelles relations, c'est toi, est-ce que tu veux qu'il y ait d'autres gens dans notre relation? Est-ce que je peux aller voir ailleurs ou est-ce qu'on est inclusif? On est inclusif ou on est exclusif entre nous deux? On ne peut pas voir ailleurs. C'est une des choses que les gens se posent présentement quand ils commencent des relations intimes. C'est-tu clair mon exemple? Comprenez-vous? Madame Lison, non? Ah, parce que vous dites non? OK, c'est correct. Pourquoi je dis ça? C'est que je t'arrête de dire qu'on est souvent à contre-courant, puis parce qu'on est à contre-courant, bien, on peut et on va subir des persécutions. Et ça, c'est un exemple bien concret où est-ce que tu es jeune croyant, tu arrives dans des relations, puis complètement à l'envers, mais pourtant c'est plus, ils vont souffrir de ça, cette gang-là de jeunes-là. Mais nous, comme valeur chrétienne, on arrive avec des choses qui sont à contre-courant de la société et on va subir certaines persécutions ou du rejet social par rapport à ça. Par la grâce de Dieu, il y a un reste que Dieu se garde, qui vont dire, ça a bien du sens, ça vient de qui ça? Puis il y en a qui vont croire en Christ. Fait que continuons de subir injustement de la souffrance, parce que ça produit des bébés chrétiens. Ça produit des gens qui vont croire en Dieu à cause de notre témoignage. Puis ça va édifier nos frères et sœurs alentour de nous. Fait que la persécution, c'est une sorte de bénédiction. Elle offre aux non-croyants la possibilité de voir la générosité, l'amour de Jésus, le sens à la vie. On est aussi des témoignages vivants de l'amour de notre Sauveur par notre soumission au Maître injuste. Des pierres vivantes qui édifient la maison spirituelle, l'Église de Christ.
Amen. Donc, c'est parce que je pensais que vous, parce que vous aviez l'air à dire non en voulant. J'ai posé la question si vous compreniez mon exemple. Puis je pensais que vous ne compreniez pas mon exemple. Ouais. Non, c'est correct. J'espère que vous n'êtes pas d'accord, parce que sinon, ça ne marche pas, mon exemple. Est-ce qu'il y a des questions? On va faire des questions tout de suite pour un Pierre. Ben, si tu veux-tu que... Ouais, vas-y, vas-y. La différence d'être à contre-courant dans un milieu séculier en travail social, ben, en fait, moi, je le vois, au début de ma carrière, c'était une confrontation beaucoup par rapport à ça, mais là, présentement, je suis complètement libéré, je le vois autrement complètement, je le vois plus dans une grâce que Dieu me fait de pouvoir atteindre la souffrance des gens, de pouvoir avoir un impact. Dans le fond, je diminue, j'espère, par la grâce de Dieu, la souffrance du péché, que le péché produit chez les gens. C'est plus comme ça que je le vois. C'est comme un baume, parce que c'est sûr qu'on ne règle pas tout, là. Mais je le vois plus comme ça, parce que de toute façon, présentement, en plus, je ne suis pas très, très, très confronté. Tu sais, je ne fais pas d'aide médicale à mourir, par exemple. Genre, je suis pas dans une clinique d'avortement, par exemple. J'ai pas tant de situations que ça, présentement, où est-ce que je suis réellement confronté. Oui, mais ça, c'est pas dans mon contexte de travail. C'était une collègue de travail, ça. Ah, OK. Oui. Est-ce qu'il y a des charges comme ça que toi, tu peux référer? Pardon? S'il y a une charge comme ça, si un cas comme ça, ça m'était demandé, oui, je pourrais demander de transférer, mais en réalité, je pense que rendu là, je le verrais aussi parce que, tu sais, bon, c'est un terrain glissant, là, mais c'est pas grave, je vais y aller pareil. Ça dépend toujours de ta conviction par rapport à Dieu et de ton pas juste ta conviction, mais ton niveau de confort. Est-ce que exemple, l'aide médicale à mourir. Quelqu'un me demande d'aller dans une aide médicale à mourir pour aider. Souvent, on va supporter la famille, puis ça, c'est pas mal ça, en fait. Est-ce que d'aller là, ça va tellement me confronter dans mes valeurs que je serai aucunement bien, je vais me mettre à douter même de ma propre foi, par exemple, ou je vais avoir peur du témoignage que je donne, ou au contraire, moi, ça se peut que je dise oui une minute pour dépanner. C'est sûr que je ne dis pas oui d'aller dans ce programme-là, mais si pour une fois, ça se peut que je dise oui, parce que, premièrement, c'est le choix de la personne. Fait que moi, je ne suis pas là pour dire je suis d'accord ou je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas moi qui décide. Mais je vais le voir comme une opportunité, par exemple. Si je peux être un témoignage de ce que je parlais tantôt, d'être quelqu'un qui va, oui, être respectueux, mais qui va être doux, qui va... En autant que je ne dépasse pas la ligne de « ben félicitations, mon homme », tu sais, il y a comme un... Faut y aller, en fait, dans l'amour et dans la vérité, mais dans ce genre de contexte-là où ça prend beaucoup d'écoute puis d'empathie, ben je pense qu'on y arriverait quand même, là. Puis pour être capable d'être un bon témoignage, sans sans diminuer la vérité. Fait que, tu sais, puis dans d'autres cas aussi, tu sais, face à une jeune personne qui a des relations qui la détruisent, ben ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup d'écoute. Puis comme Pasteur Denis me disait tantôt, il y a un moment donné dans ce genre de relation-là que... Il y a un filon, il y a une confiance qui s'installe, puis il y a une manière où tu as un timing, où la confiance est tellement là que tu peux partager. Parce que même dans le cadre de mon travail, si la personne, elle veut que j'y témoigne, la personne, elle me donne l'opportunité de le faire, bien c'est correct. Sauf que je ne peux pas le faire de mon plein gré, mais si la personne me le demande. Fait que tu sais, il y a tout ce genre de choses-là qu'en réalité, c'est une opportunité, là. «
Oui, ben oui, c'est ça. Mais en réalité, là, tu sais, de la manière plus globale, là, c'est diminuer l'impact du péché dans leur vie. C'est pas mal ça, là. Bon, pendant la pause, une pause fructueuse, il y a eu deux questions d'une sœur que je ne nommerai pas le nom. En tout cas, Diane. Ça commence avec D, ça finit par. Ça commence avec D, ça finit par Yann. Ça rime avec Yann. En tout cas, le premier commentaire, c'était le verset qui dit, à la fin, quand je parlais de couvrir une multitude de péchés. OK, l'amour couvre une multitude de péchés. C'est dans le contexte relationnel où est-ce qu'un chrétien va couvrir une multitude de péchés d'un autre chrétien dans un contexte de souffrance où est-ce qu'on a des fois des réflexes de la chair. Fait que là, dans le fond, couvrir une multitude de péchés, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que nous, comme humains, on peut pardonner les péchés? On peut pas. Mais on est chrétien. Fait que est-ce que nos péchés sont pardonnés? Oui. Fait que parce que nos péchés sont pardonnés, on a relationnellement, c'est-à-dire horizontalement, on peut couvrir le péché de quelqu'un. On ne peut pas l'effacer, on n'est pas Dieu. Mais je peux, par ma patience, couvrir le péché d'un autre. Si mon exemple de voiture, ma femme se tourne vers moi, puis elle me dit une phrase bête, exemple, parce qu'elle est fatiguée des enfants qui chialent pendant notre voyage. Bon, est-ce que je peux me tourner puis couvrir son péché, c'est-à-dire être patient, laisser aller la chose, ou je peux aussi répondre par ma chair, en me vengeant, en me disant qu'elle n'est pas correcte, puis là, la chicane prend, puis ainsi de suite. Fait que l'amour couvre une multitude de péchés, c'est pas que je vais effacer le péché de l'autre, mais je vais le couvrir parce que moi, j'ai été pardonné, puis je vais vouloir partager l'amour que j'ai reçu. Fait que ça, c'est par rapport à ce verset-là. Je trouvais vraiment intéressant la question de Diane. Puis l'autre, c'était par rapport à témoigner. OK. L'exemple, c'était est-ce que là, dans les zones grises, dans les zones de sagesse, où est-ce qu'on parle d'être soumis, est-ce que, un exemple, je m'en vais au travail et mon patron, il veut pas que je témoigne à mon travail. Mais j'ai dit tantôt, c'est mieux d'obéir à Dieu, des fois, dans des circonstances. Bien, en fait, c'est pas compliqué. On obéit toujours à Dieu. Mais dans la plupart des cas, obéir à Dieu veut aussi dire d'obéir au reste. Parce que, comme j'ai dit tantôt, surtout au Québec, c'est bien rare qu'il y ait des choses qui sont contraires à obéir à Dieu. Mais là, j'ai une situation où il m'interdit de témoigner. Fait que ce que j'ai répondu, c'est, bon, j'ai parlé beaucoup de l'attitude de soumission, qui est importante. Est-ce que, dans ce genre de choses-là, je peux avoir un temps de témoignage, exemple, à la fin du chiffre, sur l'heure du dîner, la fin de semaine, le soir? Est-ce que j'ai d'autres temps, si je veux vraiment témoigner à mon collègue ou à ma collègue, pour témoigner? Est-ce que je suis empêché de faire ça? Non. Je suis empêché de faire ça dans mon temps de travail par mon boss. Fait que la réponse à ça, la première réponse, c'est l'attitude. C'est sûr, si je rentre demain matin, hey, ben là, j'ai écouté un cours hier, puis il faut que j'obéisse à Dieu. Puis là, ben Dieu me demande de témoigner, fait que t'as ça de là, moi je témoigne aujourd'hui. C'est pas. Non, ça ne marche pas. C'est que je vais me soumettre à la règle que je ne peux pas témoigner pendant le temps de ma job. Parce que ça contrarie pas au fait que ben, tu as d'autres temps pour témoigner, puis c'est correct. Fait que des fois, on prend au nom de Dieu, c'est comme Pasteur Jeff, une année, dans son témoignage, qui disait qu'il était pour Hydro-Québec au début de sa carrière, il était rendu sur le bout du bureau à témoigner à tout le monde parce qu'il avait la flamme dans lui de témoigner. Puis là, il s'est rendu compte, ouais, je témoigne, mais je vole du temps à mon boss. Fait que finalement, je pense que je vais aller étudier la Bible. En voulant dire,
Il y a des fois où, au nom de Dieu, je témoigne parce que c'est ça qu'il me demande de faire, mais en même temps, je suis en train de voler du temps à mon boss. C'est pas mieux. Fait que c'est tout ce genre de choses-là où est-ce que ça prend de la sagesse pour bien répondre. Merci, Diane. On va finir avec 2 Pierre. 2 Pierre, le contexte. Pierre écrit encore à partir de Rome et il s'adresse encore au réseau d'églises qu'on a dit d'Asie mineure. Et cette lettre-là, c'est un genre de discours d'adieu de Pierre qui sait qu'il va mourir sous peu, car je sais que je quitterai bientôt ce corps, comme notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. C'est au verset 14, chapitre 1. Selon le livre que je prends, Carson et Mou, Introduction au Nouveau Testament, il est écrit la lettre à l'an 65, date à laquelle est située la mort de Pierre comme martyr lors de la persécution de l'empereur Néron. Donc, quand Pierre écrit sa lettre, il meurt pas trop longtemps après sous Néron. Et le contexte de cette persécution-là, c'est quoi? C'est qu'il y a un énorme feu qui détruit une grande partie de la ville de Rome en l'an 64. Et ce feu-là fait des milliers de morts. Et certaines personnes importantes de la ville vont commencer à dire que c'est l'empereur qui aurait déclenché ce feu-là pour pouvoir peut-être construire sur des nouvelles bases ou agrandir son territoire en repartant de zéro. Fait qu'il y a cette nouvelle-là ou cette rumeur-là qui court, que ce soit vrai ou non, parce que selon les historiens, ça se peut, puis ça se peut que non aussi. Peu importe, Néron, qu'est-ce qui est vrai là-dedans, c'est qu'il a pris les chrétiens comme bouc émissaire et leur a fait une passe sous sa palette. Excusez, je l'ai dit en le lisant, là, mais je voulais le dire en québécois. Néron a fait une passe à la palette aux chrétiens en voulant dire « Je me fais accuser, ben, je vais vous redonner à Pâques, puis c'est vous que j'accuse maintenant. » Néron est en train d'accuser les chrétiens que c'est eux qui ont commencé le feu dans la ville. C'est eux qui ont commencé les feux dans la ville. C'est à cause de eux qu'on a brûlé. C'est eux les instigateurs. Et donc, à cause de vous, ben, je vais vous persécuter violemment. Fait que les circonstances de 2 Pierre, c'est encore une fois des persécutions, mais qui ont continué à s'intensifier violemment sous l'empereur Néron, suite au feu de 64. La circonstance de la rédaction de 2 Pierre, c'est pas la persécution. On a vu que 1 Pierre, c'était ça. Préparait pour une plus grande persécution. Mais la circonstance de 2 Pierre, ce n'est pas tant la persécution, ce n'est pas ça qui va parler le plus. La rédaction de 2 Pierre est principalement motivée par quoi? Bien, par l'arrivée des faux docteurs dans la communauté. Pierre va accuser les faux docteurs sans nécessairement donner des détails sur la nature de leurs faux enseignements. On a quelques informations, mais il n'ira pas très loin là-dessus. Carson et Mou, encore une fois, vont dire, nous ne disposons pas de suffisamment de données pour identifier les faux docteurs qui sont l'arrière-plan de 2 Pierre. Les enseignants de mensonges, Pierre les appelle les enseignants de mensonges au chapitre 3, pourraient avoir été influencés à la fois par l'atmosphère philosophique épicurienne et par un gnosticisme naissant, ainsi que par d'autres mouvements. Fait qu'on ne sait pas nécessairement c'est qui ces gens-là, ces faux docteurs-là. Le but de 2 Pierre, bien, encourager les lecteurs à acquérir de la maturité dans leur compréhension et dans leur expérience de la grâce de Dieu, progresser dans la connaissance de Christ, et de cette progression-là, ils vont se protéger contre les faux enseignements qui, eux, pourraient freiner leur croissance spirituelle. Donc, dans 2 Pierre, il y a du contenu sur la croissance spirituelle et
aussi sur la description négative des faux docteurs et de leur jugement à venir. La structure de 2 Pierre, chapitre 1, verset 1 au verset 11, c'est « Nous sommes des participants de la nature divine ». Nous sommes des participants de la nature divine. Ça ne veut pas dire qu'on est des dieux ou des déesses. On ne devient pas dieu ou une déesse quand on devient chrétien, ni même dans le royaume à venir. On est des humains avec un corps glorifié. Mais on participe à la nature de Dieu quand on manifeste les attributs que Jésus a démontrés lors de sa première venue. 2 Pierre va parler de sa bonté, sa piété, son endurance, son affection familiale et amicale, sa maîtrise de soi, sa connaissance, l'attribut qui est au-dessus de tout, l'amour, qui est un sacrifice pour le bien-être des autres, même si ça me coûte quelque chose. Donc, on participe à la nature divine quand on manifeste ces attributs-là. Ensuite, versets 12 à 15 au chapitre 1, Pierre va parler de ses motivations à écrire. « Voilà pourquoi je prendrai soin de toujours vous rappeler ces choses, bien que vous les connaissiez déjà et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Oui, j'estime juste de vous tenir en éveil par mes rappels aussi longtemps que je suis dans cette tente. Car je sais que je quitterai bientôt ce corps, comme notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. Mais je ferai en sorte qu'après mon départ, vous puissiez en toute occasion vous souvenir de ces enseignements. » Pierre, il sait qu'il s'en va bientôt, puis il veut que les chrétiens de ses églises se souviennent et retiennent les enseignements qu'il a déjà donnés et qu'il va continuer à donner dans la lettre de 2 Pierre. Et on va voir, versets 16 à 20, une première objection de Pierre envers les faux enseignements, les faux enseignants. Versets 16 à 20. Il y a une accusation de certaines personnes comme quoi les apôtres ont tout inventé sur la résurrection de Jésus et qu'il n'y aurait pas de deuxième venue. Mais Pierre répond. Il va faire un rappel de l'événement de la transfiguration qu'on voit dans les évangiles, dans Marc, de Jésus sur la montagne. Il y a Pierre, Jean, Jacques qui ont vu Jésus glorifié en tant que roi. Jésus ressuscité, le roi des rois et vivant. Il est l'accomplissement de la promesse des Écritures de l'Ancien Testament. Verset 20-21 de 2 Pierre. « Sachez avant tout qu'aucune prophétie de l'Écriture n'est une affaire d'interprétation personnelle, car ce n'est jamais par une volonté d'homme qu'une prophétie a été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » Eux rejettent la résurrection, rejettent la deuxième venue, rejette l'enseignement des apôtres. Mais pourtant, les apôtres eux-mêmes suivent l'enseignement et les prophéties de l'Ancien Testament. Et eux-mêmes ont vu en personne Jésus, la transfiguration, Jésus glorifié. Donc, c'est l'objection de Pierre et l'avertissement qu'il leur fait au verset 1 à 3 du chapitre 2. À ses prétendus enseignants, bien, d'abord, il va dire, « Il y a parmi vous des prétendus prophètes, des prétendus enseignants qui introduisent sournoisement des enseignements qui mènent à la perdition. Ils rejettent même le maître, qui les a rachetés. Et ils vivent dans l'immoralité, dans la soif de posséder, de tromper et d'amasser de l'argent. » Donc, en plus de leur mauvais enseignement, ces gens-là vont démontrer
une mauvaise vie. Mais souvenez-vous de la colère de Dieu qui demeure sur eux. C'est l'avertissement que Pierre fait aux enseignants, mais aussi, c'est une sorte d'encouragement pour les croyants de dire, voyez, ils ne sont pas juste mauvais dans leur enseignement, mais ils manifestent par leur œuvre mauvaise qui sont pas de Dieu. Dieu va répondre à la rébellion par sa justice. Il va dire, leur ruine ne tardera pas. Et il va prendre trois exemples au verset 4 à 11. Il va prendre trois exemples. Et les trois exemples qu'il va prendre, on les a vus dans le livre de Jude la semaine passée, au niveau du jugement de Dieu envers les impies. Le premier exemple, c'est dans les fils de Dieu en Genèse 6, qui est dans le fond, on avait vu ensemble un Énoch, qui est un livre extra-biblique, qui va interpréter les événements de Genèse 6. OK? Le Genèse 6, c'est les fils de Dieu qui sont des anges déchus et qui, dans le livre de 1 Enoch, c'est interprété comme étant des anges déchus qui ont eu des relations sexuelles avec des femmes. Ça a provoqué le jugement de Dieu envers cette rébellion-là. On a vu aussi le déluge, Genèse 6 à 8. On a vu aussi Sodome et Gomorre, Genèse 19. Puis ces trois exemples-là se trouvent au verset 4 à 11 du chapitre 2 de 2 Pierre, comme des exemples du jugement de Dieu causé par la rébellion de l'homme. Puis même dans ces versets-là, on voit que malgré tout, Dieu va manifester sa bonté et sa grâce en délivrant son peuple. Il va parler de Lot, il va dire « comme Lot, le juste, qu'il a sauvé de la destruction de Sodome et Gomorre. » Donc, les trois exemples sont là pour appuyer les avertissements envers les prétendus prophètes et les prétendus enseignants, comme quoi ils courent à leur perte finalement. Leur ruine ne tardera pas. Le chapitre 2, versets 12 à 22, Pierre va revenir encore une fois à la charge sur le mode de vie corrompu des faux enseignants. Il va dire qu'ils ont un mode de vie corrompu, sont en quête d'argent, de sexe, ils méprisent l'autorité de Dieu. Ils conduisent les autres à penser que Dieu ne se soucie pas des décisions morales. Ils s'appuient sur le fait qu'on est libre en Christ. Et donc, on peut satisfaire nos instincts les plus primales. C'est la grâce, mais la grâce à bon marché. On prend la grâce pour faire ce qu'on veut. Mais la réalité, c'est que ces faux enseignants ne sont pas libres, sont encore esclaves de leur pulsion de la chair. Et ils sont doublement responsables de leur mauvais comportement parce qu'ils ont connu Jésus. Ils ont vu, en fait, comme il faut voir. Pierre va dire qu'il aurait mieux valu pour eux ne pas connaître la voie de la justice plutôt que de la connaître et de se détourner ensuite du Saint commandement qui leur avait été donné. Et c'est dans cette séquence-là qu'on a une des images les plus inspirantes de la Bible. Ça dit, verset 22, chapitre 2, « Il leur est arrivé ce que disent avec raison les proverbes, le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, et la truie, à peine lavée, s'est vautrée dans le bourbier. » Ça ne peut pas être plus clair, hein? Donc, le chien est retourné à ce qu'il avait vomi. C'était pas bon pour lui, il a vomi, bonne chose, mais il y retourne. La truie à peine lavée, c'est une bonne chose, elle est lavée. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle se retourne de bord, puis elle retombe dans son bourbier, dans sa boîte. Fait qu'ils sont doublement responsables d'avoir connu Christ et d'avoir vu comme il faut voir, mais d'être retournés dans leur vomi.
Fait que, au chapitre 3, versets 1 à 10, on a une deuxième objection de Pierre face aux faux enseignants. Les faux enseignants font du déni quant au jugement dernier. Les générations se succèdent les unes après les autres, mais Jésus ne revient pas. Fait qu'ils vont, ils vont mettre en doute le retour de Christ. Christ ne peut pas revenir. Mais non, les gars, là, c'est... Même aujourd'hui, 2023, il n'est pas revenu. Fait qu'on, ils remettent en doute le jugement dernier en remettant en doute la venue, la deuxième venue de Christ. Mais Pierre répond par deux points. Premièrement, il va dire, « L'histoire passée raconte l'histoire à venir. » Bien, il va dire, il ne dit pas ça en ces mots, mais je vais vous l'expliquer. Dieu, par sa parole, a créé autrefois le ciel, la terre. Autrefois, il a séparé la terre des eaux et il l'a rassemblée du milieu des eaux. De la même manière, Dieu a aussi détruit le monde par les eaux du déluge. Quant à la terre et aux cieux actuels, ils sont réservés par cette même parole pour être livrés au feu. Ce qu'on a connu de l'histoire passée, racontée, écrite, c'est que par sa parole, il a créé le ciel et la terre, il a séparé les eaux pour en rassembler ensemble. De la même manière, il a détruit le monde par les eaux du déluge. Et c'est pourquoi ça raconte ce qui s'en vient. Les cieux et la terre sont réservés par cette même parole pour être livrés au feu. Ils sont gardés en vue du jour du jugement où les ennemis de Dieu vont périr. Donc, un, il y a une réalité du jugement dernier qui va arriver, c'est sûr et certain. C'est sûr que ça va arriver. Mais deux, Pierre va ajouter que notre conception du temps à nous est limitée. On est limité, nous autres, les êtres humains. Au verset 8, il va dire, « Mais s'il y a une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas oublier, c'est qu'aux yeux du Seigneur, un jour, c'est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme certains le pensent. Au contraire, il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance, le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Ce jour-là, le ciel disparaîtra avec fracas. Les éléments embrasés se désagrégeront et la terre avec les œuvres qu'elle contient sera brûlée. » On voit que la conception du temps n'est pas la même et on ne peut pas avoir cet argument-là. Il n'est pas encore revenu. Non. Au contraire, c'est long pour nous, mais pour Dieu, c'est une preuve de sa patience envers l'humanité. Afin qu'aucun ne périsse et que tous parviennent à la repentance. Que tous les élus de Dieu, que tous les gens qui vont se tourner vers Christ puissent le faire. Dieu est patient envers eux. Le verset 10 à 13 du chapitre 3 va parler du but, le but du jugement dernier. Le jour du Seigneur, comme il est appelé, où tout sera dévoilé. Le bien, le mal qu'on va avoir commis va être dévoilé. Le but suprême de la justice de Dieu, c'est pas tant de détruire la terre et le ciel, mais c'est de dévoiler le mal, l'injustice, pour que ça n'arrive plus. Pour qu'ensuite, il fasse ressortir les nouveaux cieux et la nouvelle terre. C'est ça le but. Et ce nouveau ciel, nouvelle terre va être imprégné de la justice, de l'amour de Dieu avec des gens qui connaissent et qui aiment Dieu. Fait que le but du jugement dernier, oui, c'est de juger, et oui, il y aura la destruction,
mais avec le jugement va venir l'accomplissement final d'un nouveau ciel, nouvelle terre, où est-ce que la justice et l'amour de Dieu vont régner éternellement, mais surtout, on va vivre le but de l'humanité, qui est de glorifier Dieu et de prendre plaisir en lui éternellement, en cultivant, en travaillant. On ne sera pas sur un nuage avec des ailes, on va réellement être des humains qui vont avoir une activité, parce que sans activité, on meurt. Mais non, on va être actif, on va reconnaître des gens, on va travailler, comme j'ai dit, mais dans la gloire de Dieu, 100%, on n'aura pas la possibilité de pécher. Donc, ce n'est pas une illusion. La conclusion de 2 Pierre, c'est 14 à 18. Fait que la véritable espérance chrétienne à laquelle vont parler les autres apôtres comme Paul, c'est ça, ce que je viens de dire. C'est le ciel, c'est le royaume de Dieu. C'est ça notre espérance. C'est vers là où est-ce qu'on s'en va. Et Pierre dit que même si certains propos de Paul sont difficiles à comprendre, Paul parle de la même espérance que les autres apôtres. Et on ne doit pas déformer le sens des Écritures. Et je dis ce détail-là de la fin de 2 Pierre, parce que c'est intéressant, parce que Pierre, il va dire le mot « Écriture ». Il va considérer les lettres de Paul comme étant partie des Écritures saintes. C'est intéressant. Dans l'Évangile, dans le Nouveau Testament, tu as Pierre qui écrit sa lettre, puis il va considérer les écrits de Paul comme faisant partie des Écritures. C'est hot, pareil. C'est vraiment, vraiment bon. C'est un des témoignages du fait que, entre autres, les épîtres de Paul font partie de la Bible. Pierre termine, il va dire, 2 Pierre 3, 17, « Bien-aimés, vous voilà avertis. Tenez-vous donc sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne perdiez la ferme position qui est la vôtre, mais grandissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour éternité. Amen. » Donc, grandissez par la grâce et la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Il termine avec cet appel-là, il se rappelle-là de l'objectif du livre. Progresser dans la connaissance de Christ. Et de cette progression-là, on va se protéger contre les faux enseignements qui pourraient freiner notre croissance. Amen. Question sur 2 Pierre. Les faux enseignants, ils faisaient partie d'eux autres. Ils avaient connu Christ. Oui. Puis ils sont retournés dans leur vomi. Ma question est sur... Tu sais, tu parlais de l'épître de Jude. J'étais pas là la semaine passée, mais j'étais par Internet. Oh. Puis le lien avec Pierre, 2 Pierre... Les anges déchus de Genèse 6. Oui. Mais c'est quoi d'où que ça vient, la référence? Tu as trouvé ça dans des livres? Non, c'est le livre de 1 Enoch qui était connu par les Juifs. Oui, mais je veux dire, pour que ça en vienne à ça, c'était dans Enoch que tu l'as pris? Non, bien, en fait, Jude, la semaine passée, ouais. La référence ne vient pas de moi, ça vient de Jude directement. Dans Jude directement, tu as l'introduction à 1 Enoch. Livre d'un Enoch. Puis c'est dans un Enoch qui est question que dans la Genèse, il y avait le lien avec la Genèse 6.2 ou 6.4. C'est dans le livre d'Enoch. Oui. Okay. Ça, je voulais savoir d'où ça venait. Oui, bien, c'est ça. C'est que un Enoch fait l'interprétation de Genèse 6 de cette partie-là. Oui, c'est l'interprétation de ce livre-là. Oui. Qui n'est pas un livre crédible en soi, là. Non, mais sauf que c'est une référence.
une grande référence pour les Juifs. C'est pour ça que c'est pour eux, ça leur dit quelque chose vraiment. Oui, tu as raison de le dire. C'est parce que cette position-là est complètement, en tout cas, c'est un choix, là, mais il y a d'autres choix que ça. Ce n'est pas une position que je prends, c'est une position que Jude a, en fait, que Jude prend le livre d'Enoch. Ouais. Il ne fait même pas une interprétation lui-même, il fait juste prendre une référence populaire pour appuyer un point. Oui, il prend le livre d'Enoch. C'est du livre d'Enoch que vient cette position. Parfait. Yes. C'est bon? OK. Hey, il reste un cours. Puis c'est de l'Apocalypse la semaine prochaine. Mais là, je vous annonce pas l'Apocalypse. Bon, fait que bonne nuit.